Et salut tout le monde. Et salut! Bon, aujourd'hui un petit peu spécial. Ouais. Pour une fois, ce n'est pas. D'ailleurs, j'ai mis build, alors que bon, au final, c'est quelque chose qui est assez spécial, vu que on va présenter quelque chose d'un petit peu nouveau, qui est un petit peu qui dérive, qui défie un petit peu la logique de ce qu'on devrait faire sur Warframe, je pense. Et ouais, on va aborder le CAC aujourd'hui. Concrètement, le CAC, qu'est-ce que c'est? Mais 2.0, enfin c'est depuis la mise à jour 13. Depuis la mise à jour 13, on a une nouvelle façon de faire du CAC. Ce n'est plus, on va dire, une option. Ça peut être vraiment une façon de jouer à part entière avec une certaine liste de modes qui existent, qu'on n'utilise pas beaucoup parce qu'on utilise toujours un petit peu j'ai envie de dire, le sacro-saint, vitalité, flux, etc. etc. des trucs comme ça. Mais il existe tout un panel de modes qui permettent de jouer de cette façon-là. Et qu'on aborde jamais parce que on peut très bien s'en sortir juste avec l'arme de mêlée comme ça qu'on sort de temps à autre juste parce qu'on a envie et alors qu'au final on peut très bien la sortir tout le temps. Alors après pourquoi cette thématique d'ailleurs? C'est parce qu'en regardant d'autres streams en fait j'ai trouvé des personnes qui ne jouait qu'avec l'arme de mêlée en fait. D'accord. Ils avaient une arme principale, une arme secondaire, ok, parce que bon, peut-être pas l'envie de l'enlever, mais ils s'en servaient jamais en fait. C'est taper tout à l'arme de mêlée, tout ça. Bon, après, ils utilisaient leur pouvoir en complément, et je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de peut-être d'aller dans ce sens-là, proposer vraiment quelque chose de mêlé, quelque chose, voilà. On n'utilise pas les armes principales. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on va faire à l'écran, c'est tout simplement déséquiper. Déséquiper ces armes, voilà. Bon, d'un côté, lorsqu'on va tomber, on va se retrouver. C'est un petit peu l'inconvénient de la chose, c'est que lorsque tu vas tomber par terre. Tu ne pourras strictement rien faire, quoi. Bah, garder l'arme secondaire, peut-être, ça peut être une solution aussi. Ça peut être Je une sais pas. solution, mais on va rester quand même Ouais, dans purement dans l'optique, l'idée. ouais, pour ce coup-ci, ouais, d'accord. On va rester purement dans l'optique de donner quelque chose vraiment full cac. Compagnon, est-ce qu'on met un compagnon? Bon, on va dire un compagnon quand même. Oui, c'est toujours bien, ça c'est. Donc après, en termes de Warframe, ensuite, on va parler vraiment pratique. Hein, là, c'est. On va limite le faire avec vous, quoi. On va ouvrir le codex et puis on va se demander quelle Warframe serait intéressante pour un petit peu se débrouiller comme ça. Non, je vais. Et là, tu abordes une très bonne question sur laquelle j'ai quasiment pas eu une réponse de moi-même, c'est lesquels? Parce que personnellement, j'ai un petit lot de Warframe, oui, mais je dois avouer que le seul que je joue corps à corps et encore sur un malentendu, c'est Zephyr. Qui a la capacité d'aller rapidement en corps à corps et même de disperser grâce à disperser les foules aussi. Il a un certain contrôle avec sa chute. Donc ça peut être intéressant, doublé d'un impact Ça lourd. peut être intéressant, oui. C'est la seule Warframe que j'ai, personnellement, qui a les capacités, à mon sens, pour le corps à corps. Et j'avais pensé à Sarine aussi, il y a Humber qui maintenant, avec son boost d'armure, qui peut devenir intéressante. Sarine, pareil, avec ça en armure de base augmentée, ça peut être intéressant. Mais derrière, après, j'ai pas eu concrètement de résultats avec d'autres que j'ai Alors, tenté.
On a Pyro, Dark Souls, c'est notre Pyro à nous, Oui. qui est sur le chat, qui nous regarde en ce moment, salut à toi. Et on a Krilis76, que je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu sur le stream. Bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, on fait un stream un petit peu particulier, vu qu'on va présenter quelque chose, un build, enfin. Warframe ainsi qu'une arme pour jouer 100% à l'arme de mêlée. Il n'y a pas d'arme principale, pas d'arme secondaire, juste une arme de mêlée et les modes qui vont avec, j'ai envie de dire. Donc là, on est un petit peu en train de se questionner dans quel. Eh ben salut à toi nouveau. On va se demander dans quel Warframe utiliser pour faire ça. On va les prendre une par une, tout simplement. Je pense que. Ouh, je déteste la radio. Pour une fois, j'allais dans les options et volume des transmissions. C'était ça? Aucune idée. C'est vrai qu'il est chiant quand il fait son blabla. Le monsieur avec, je sais pas. Tu ne parles plus? Il parle plus la radio. Bon, on va faire comme ça avec. Hop. Donc, H, est-ce que c'est un bon candidat? C'est un candidat qui est sympa. Le problème, c'est tout simplement armure de 65. Ah si, bon. T'as vu que je m'en souviens. Je vois pas pourquoi j'avais pour mémoire qu'il avait très peu d'armure. Ça, j'ai pas entendu, pardon. H. H, ouais. H, je sais pas pourquoi j'avais de mémoire qu'il n'y en avait que 15. Bon. Il est pas mal en soi, il a des compétences qui. Donc le shuriken, bon, ça c'est pas forcément une compétence qui va tout utiliser au cac. Par contre, écran de fumée, ça peut être sympa pour. C'est une compétence qui est courte. Donc ça peut être utile en cas de trop de monde. Oui, de permettre de se retirer, quoi, en somme, c'est ça? Et merci à toi, Chris, de nous suivre. On a une petite. Ah, je Merci à vois toi. pas parce que je regarde en même temps. Ah, moi j'ai le son, moi. À chaque fois Hein? je ressors ma fenêtre, à chaque fois que j'entends le son, et on a la petite alerte à l'écran. Merci à toi. Donc on a la téléportation qui peut être sympathique pour engager ou pour dégager d'un Désengager. combat. Engager, dégager. Puis la tempête de lame, c'est aussi au cas où. Donc j'ai envie de dire, ça peut être pas mal. Par contre, qui dit build le cac dit qu'on va peut-être mettre de côté tout ce qui est intensifié, tout ça. On risque d'avoir des compétences un petit peu basiques, pas forcément très montées très haut. Mais on va vraiment jouer vraiment un peu sur l'arme quoi. Donc H, pourquoi pas. Banshee, j'ai envie de dire non. Parce que la valeur d'armure est trop faible. 15 d'armure, c'est un petit peu délicat. L'explosion permet d'avoir un contrôle en face de toi. Ça peut être pas mal. Le sonar, c'est exclusivement pour les guns que c'est intéressant, vu que c'est très difficile de viser un endroit particulier avec une arme de mêlée. Ouais. Le silence, ça ne sert à rien, vu que les armes de mêlée sont silencieuses. Et la secousse sismique, l'ulti. Bah, sachant que ça sera notamment un build pour jouer en partie seul, parce que jouer avec des gens que tu rencontres sur internet, je pense pas qu'eux seront uniquement avec l'arme de mêlée. Donc si t'as envie de profiter de ça, je pense que soit tu vas avec des amis, soit tu vas tout seul quoi. Donc Banshee, je pense clairement non. D'accord. Amber, bon moi j'ai la version Prime mais bon. C'est pareil, ils ont les mêmes Pareil. compétences. Moi je dirais oui. De part de son up d'armure qui est à 125 pour la version Prime, 100 pour la version normale. Ça peut être intéressant avec le souffle de feu et l'accélérant. Pour peu qu'on ait une arme qu'on la monte avec des modes de feu, ça peut être intéressant. Ou une arme basiquement de feu, oui, le Siva Aegis, Si le hein. Valet Aegis peut être sympa dans ce cas-là. Perso, je l'ai avec Ember, c'est un peu la classe quoi. Je avouerai que ça va super bien avec le personnage, je trouve. Excalibur, je veux dire oui.
tout de suite parce que l'amélioration, le javelot radial, son amélioration permet d'augmenter les dégâts que tu fais au cac. Donc je dis Intéressant. tout simplement oui. L'élan tranchant, c'est typiquement du cac. L'aveuglement aussi, le super saut. Enfin, l'aveuglement permet d'avoir un contrôle intéressant au cac. Le super saut, idem, permet d'avoir du contrôle. Bref, Excalibur, c'est vraiment la Warframe numéro 1. Et je pense qu'on va le faire sur Excalibur d'ailleurs. D'accord. Frost, non. Frost, non. Parce que même s'il a une armure qui est sympa, il a une vitesse de déplacement qui est trop faible. Ah, même en tentant de l'augmenter avec course ou un autre, que la boule de neige, elle pourrait être intéressante justement pour permettre un certain contrôle au niveau du CAC, quoi. C'est une Warframme Sinon, qui est quand dans la même mêlée. statique, quoi. Je comprends Wald, le but, mais je pense pas qu'elle ait un intérêt particulier pour faire du jack avec beaucoup de déplacements. Il y a beaucoup de compétences statiques, et même pour lancer ton 1, par exemple ton gel, Ouais. il faut rester quand même assez statique quand même, parce que comme ça met du temps avant d'arriver, le gel. La vague de glace, bon, aussi c'est une compétence qui est assez directe, mais un petit peu lente. La boule de neige permet de faire vraiment une zone statique. Et puis l'avalanche, bon, c'est des dégâts de zone. C'est pas aussi transcendant qu'un Ember. D'accord. Donc je pense un petit peu moins quand même. Ouais, bon, après, c'est une idée. Ouais. Hydro possède le raz-de-marée qui permet de foncer sur les ennemis un petit peu en mode cac aussi, donc ça pourrait être intéressant, et puis de les renverser au passage d'ailleurs. Mais les autres compétences ne permettent pas vraiment d'avoir quelque chose de vraiment cac. Et j'ai la radio qui s'est réenclenchée. Je suis en train de Le pleurer. contre-courant, est-ce qu'il empêche de prendre des dégâts ou non? Oui, il empêche, oui. Bon, ça Il peut être noie une les ennemis solution en pour fait, ouais. se désengager du corps à corps. Elle peut être intéressante d'une certaine manière. Bon, il y a le raz-de-marée, de J'aurais toute façon. ce mitigé quand même. Ça peut être intéressant, oui, pour le raz-de-marée, un petit peu pour contre-courant. Donc, je dirais quoi, 10 sur 20, voilà. 10 sur 20 en affinité de corps à corps. D'accord. Limbo. Limbo. Je le vois pas vraiment, on va dire. Limbo, ouais. Limbo, personnellement, non. Non. Personnellement, non. Non, 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 non. Limbo, non, non, non. Il a 75 d'armure. Il a. Non, 65 d'armure. Il est assez fragile. Non, son rôle, c'est un pur soutien. C'est un pur soutien, en fait. Alors, Même avec les Loki. mods qui ont été Ouais, rajoutés. je pense aussi ouais, que c'est. Ça reste un petit peu similaire à du Frost, quoi. Ça reste assez statique quand même. Loki, son invisibilité qui peut être très longue. Cependant, je pense que c'est vraiment la solution de facilité, Loki. Parce que c'est vrai que l'invisibilité pendant quasiment 30 secondes, c'est vraiment trop facile. La transposition ainsi que le désarmement permettent aussi quand même quelque chose d'assez cac, mais c'est vrai que l'invisibilité est quand même assez longue. Donc si on a envie d'avoir un petit peu de plaisir à jouer, je pense qu'on prendrait un H pour avoir une invisibilité un petit peu plus courte à n'utiliser qu'en cas d'urgence, mais pas une invisibilité qu'on utilise H24, quoi. De toute façon, Loki, c'est un perso d'infiltration, hein, Oui. à mon sens. Plus que n'importe lequel. Alors, Mag. Ouh, le texte qui arrive en progression. Mag. Alors, Mag, je sais pas trop. Très personnellement, je pense pas. Avec l'attraction, ça peut être sympa pour attirer un petit peu les ennemis et les renverser. Mais après le reste, je reste mitigé. Je mettrai pas 10 sur 20 sur un petit peu l'affinité pour faire un build de cac, mais il y a juste une compétence sur les 4 qui peut être intéressante. J'attends que le texte y file pour avoir, même si j'ai la Warframe, avoir tout ça sous les yeux. L'aimant à balles, ouais. Non, c'est pas très intéressant. Alors après Messa, c'est que des compétences avec des fusils, donc on va passer. Ça va être très rapide. Mirage. Mirage, la galerie des glaces permet quand même d'avoir des
d'avoir des clones qui permettent d'esquiver une partie des dégâts et de faire des dégâts. Donc je dirais oui, mais pas totalement. C'est juste une partie des compétences qui permettent. Eclipse et Galerie des Glaces peuvent être pas mal pour faire du cac. Mais je reste quand même mitigé. Necros. À part la Necros, terrification qui peut être un contrôle assez intéressant lorsque ça sent un petit peu mauvais. Mais sinon, c'est pas une Warframe qui se prêterait beaucoup à ce genre de choses. Nova. oh, Nova non plus, à mon Pas tellement. sens. Non. Nova, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, que ce soit... Enfin... Oui, sur la Warframe en elle-même, mais ses capacités n'offrent pas d'opportunités de corps à corps, quoi. Ensuite Nyx, Nyx normal. Alors, et ce qui est une différence notable entre Nyx et Nyx Prime, c'est la valeur d'armure qui passe de 15 à 65 si je me trompe pas. C'est bien ça, ouais. Donc bon, après les compétences À 50, 50, pardon. ouais, à 50. Donc les compétences permettent quand même quelque chose de sympa quand même au cas quand même. Le chaos permet d'avoir un certain contrôle quoi. Certains contrôles, l'absorption aussi, un sens quand ça commence à sentir mauvais, on peut le déclencher. Mais Le comme carreau psychique, je sais qu'il le peut corps psychique, ça peut désarmer. stun. Je sais maintenant, stun et désarmer, il me semble aussi. Ouais, donc ça permet d'avoir l'opportunité d'un petit peu zigzaguer entre les ennemis et taper. Ça peut être intéressant, mais c'est vrai que la valeur d'armure est quand même faible. Bon, bah après ça se rattrape toujours. C'est toujours possible de le rattraper. Hein. Ouais. Quand on abordera Zephyr, de toute façon, ça va être. Donc assez mitigé, je pense, sur Nyx. Oberon. Oberon, donc. Bâtiment, c'est vrai que c'est une Warframe pareil que je ne connais pas, mais j'ai souvent entendu dire qu'il était intéressant. Une valeur Qu'il était d'armure qui est sympa. intéressant. Ouais, Il a 150, ouais. ça peut être un soigneur cac au final. La bénédiction terrestre permet de donner un petit peu de résistance et de faire des dégâts lorsqu'on est au cac. Donc oui. Le châtiment permet d'un petit peu de proc de la radiation, notamment sur les ennemis. Donc ça les confuse et puis ça leur permet de faire du tir ami entre eux. Donc pourquoi pas. Mais je reste un petit peu mitigé encore. Rhino et sa version Prime. Oui, clairement oui. Oh bah c'est un truc de bourrin. Hein. Avec la charge, la peau de fer, le rugissement ainsi que le piétinement, c'est que du cac et je crois qu'il y a d'ailleurs un mode d'augmentation qui est fait pour le cac. Sarine. Sarine, donc. Sarine, avec la mue et la contagion, je pense que oui, c'est une Warframe. Et puis la valeur d'armure, qui est à 155, Ouais. qui permet d'avoir quelque chose de sympathique. Contagion qui permet d'améliorer les dégâts de son arme de cac, donc je pense que définitivement oui. La clamu, ça permet un petit peu d'avoir de quoi se protéger. Ouais, de dévier les tirs, ouais. Donc je pense que rien que ces deux compétences-là, je pense pour moi c'est un oui quoi. Et puis même le venin pour faire un dot, quoi. Sur certains ennemis, ça peut être intéressant. Peut-être certains ennemis un petit peu plus tanky que d'autres, mettre venin dessus. Oui, c'est avec des spores ouais, qui explosent. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant donc. Trinity. Alors Trinity, bien que sa survivabilité soit là, non, je pense pas qu'elle soit. On aura plus d'intérêt à avoir d'autres rôles que Trinity que de faire du cac, oui. Valkyr. Oui. Oui, Valkyr, bien sûr. Avec ses 600 d'armure. Ses 600 d'armure. Son cri de guerre, la ligne d'arrachage qui permet de soit d'accrocher les ennemis, soit de se projeter ailleurs. La paralysie, ainsi que l'hystérie. C'est clairement une Warframe qui est idéale pour ce genre de choses. Vauban. Vauban, moi je dirais non.
Non, 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 pas Vauban non C'est plus. beaucoup de contrôle, ça a d'autres rôles. C'est un petit peu similaire à Frost. Ouais, c'est un support C'est un support. très fixe. Ouais. Volt. Volt trop faible en armure. Ah oui, c'est une crevette, Volta. Bon, des Électrique, compétences. certes, mais. Après, il a certes vitesse qui permet d'avoir de la vitesse accrue en vitesse de frappe en arme de mêlée. Mais j'ai envie de dire, c'est le seul atout. Et c'est vrai que le peu d'armure, ça se ressent quand même assez. Le but, c'est pas quand même pas de prendre le plus de dégâts, quoi. Et pour terminer, on a Zephyr. Le seul que j'ai dans la liste des intéressants, à mon sens. Alors, certes, 15 d'armure, mais des capacités qui lui permettent d'accéder rapidement au corps à corps, la bombe plongeante qui lui permet aussi de dissiper les foules, de les faire tomber quand on joint ça avec un pacte lourd, la turbulence qui permet de créer un bouclier de vent qui éloigne les projectiles et Oui, pas tous. ça compense le 15 d'armure. Voilà, ça compense 15 d'armure et quand ça tourne mal, les tornades, ça permet de mettre net, bien qu'il y ait un temps de cast. Pareil pour turbulence. Je Par suis contre, pour vent d'accord. contraire et bombe plongeante, il n'y a pas de temps de cast. C'est direct. Oui, ça permet de filer rapidement. C'est vrai que ça fait beaucoup de déplacements et c'est pas mal, quoi. Bon, le seul Et le bémol, c'est certes les déplacement. 15 armures, mais ils sont complètement compensés par turbulence, quoi. Et il est assez facile de monter la Warframe à plus de 1000, 1100 de boucliers et de vie. Enfin, c'est le cas avec mon Zephyr. Je sais qu'avec, bon, bien sûr, ça coûte un certain nombre de points, quoi. Avec Vitalité, Redirection et le dernier. Ah mince, j'ai oublié. Celui qui offre sur les deux. C'est Vigueur. Vigueur, voilà. Les trois Vigol. joints, ça permet d'avoir. Quand même une bonne résistance. D'accord. On a Zoro 2608 qui vient de se connecter sur notre. Enfin, qui vient. Sinon, il était là depuis quelques minutes. Bienvenue à Salut. toi. On va un petit peu rappeler un petit peu. Le but de cette soirée, c'est de discuter sur un build 100% corps à corps. C'est-à-dire abandonner l'arme principale, abandonner l'arme secondaire et ne garder que l'arme de mêlée et de mettre des modes de mêlée. Donc là, on est un petit peu, on prend un petit peu de temps pour un petit peu voir trier un petit peu les modes en question. Donc, Surtout les Warframes. Maintenant qu'on a fait le tour des Warframes intéressantes, on va prendre donc notre pour je rappelle, Excalibur. Humber, Excalibur, H qui peut l'être aussi. On avait dit 10 sur 20 pour Hydroïde, c'est bien ça? Ouais, un petit peu Valkyr, Rhino. Hydroïde. Loki, certes, mais un petit peu trop facile en restant invisible tout le temps. Mirage, un petit peu. Nyx, un petit peu. Oberon, un petit peu. Rhino, oui. Sylvain, oui. Valkyr, oui. Et Zephyr, oui. Donc, en 8 fermes, je dirais Excalibur. Excalibur, Rhino, Sarine, Valkyr et Zephyr. Donc ça nous en fait 5 au total. Donc c'est pas mal. Est pas mal déjà hein. Quand on regarde sur le nombre de Warframes, c'est quand même un bon petit nombre. Totalement. Alors. Même. Ouais, c'est là. Donc en termes de build, hop là. On va faire un petit tour d'avoir des modes qui nous permettent un petit peu de proposer quelque chose de cac. C'est principalement sur certains modes de Warframe. Tout simplement, on a Acrobat d'ailleurs en premier. On va les prendre par ordre alphabétique, qui permet d'économiser l'endurance parce que l'endurance va être mise à rude épreuve entre les coups de l'arme de mêlée et puis les sprints. On aura peut-être de l'intérêt à regarder un petit peu où c'est qu'on met nos modes et surtout on va investir un petit peu dans la stamina. Donc Acrobat peut être intéressant.
Tout ce qui est allonge, bon, ça c'est truc de Warframe. Charge d'acier en aura. Ça, Bien c'est un sûr. must. Bon, bien sûr, sur un Excalibur, il n'y a pas de polarité. Je pense peut-être à certains Warframes doivent avoir une polarité différente. Sur celle qu'on a dit, donc Zephyr, il a le petit carré, enfin Il est en D, le donc dé. pas forcément bon là-dessus. J'ai essayé, mais en vain. Tharine, je crois qu'elle est en D aussi, si je ne me trompe pas, ou il y a en D aussi. Oui. Et bah, vu que c'est les deux seuls. Et Umber, elle est en V, par contre, comme le mode en D'accord. question. Donc ça prouve qu'on peut faire. Enfin, maintenant qu'ils ont bien sûr remonté. Ah ben, on l'avait oublié d'ailleurs, Amber. Oui. Il faudrait qu'on fasse la liste. Donc charge d'acier en aura, on n'a pas le choix, c'est en même temps c'est plus 60% de dégâts en mêlée. C'est vraiment Non beaucoup. négligeable. Totalement. Constitution, ça peut être sympathique, dans le sens où on a de la récupération après renversement dessus. Vous allez vous relever plus vite, donc ça, on garde une dynamique plus sympathique. Course éventuellement, c'est de la vitesse de sprint. Pour aller plus loin, plus vite. Alors après oui, en polarité en D, on peut avoir un entrave infesté qui peut être pas mal. Ça permet de réduire la vitesse des infestés. Sur certaines Warframes, ça peut être quand même assez salvateur quand même de réduire la Ouais. vitesse des infestés. Fibre d'acier, ça c'est quelque chose qu'on ne va pas rater de mettre. Impact lourd, sur certains modes on va le mettre. Je pense surtout à Zephyr. Ouais, surtout Zephyr. C'est surtout Zephyr qui permet de l'utiliser de façon efficace. Il faut savoir que lorsqu'on atterrit sur le sol, ça fait des ondes de choc, mais il faut pas atterrir n'importe comment. Faut pas faire de glissade, faut pas faire de roulade, faut atterrir sur ses pieds. En gros, il faut arrêter tout mouvement de la Warframe. Donc Ne plus toucher à une seule des directions. Et ça peut être intéressant aussi avec Excalibur, avec son saut, son super saut. Non, peut-être? son super saut, oui, pourquoi pas. Mais je pensais surtout à Zephyr, parce que Zephyr, lui, tu le fais systématiquement et à n'importe quelle hauteur en fait. Tu peux faire Ouais. des très petits sauts et tu peux proc justement l'impact lourd. Ce qui est vraiment pas mal. Ouais. Alors, pour ce qui est d'Excalibur, donc pourquoi oui à 200%? Parce qu'il a bien sûr le mode d'amélioration Javelot Furieux. Donc lorsqu'on lance Javelot Radial, chaque ennemi touché augmente les dégâts de mêlée d'Excalibur de 2% pour 12 secondes. Donc comme on joue en arme de mêlée, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Ce sera un mode qu'il faudra absolument mettre. Maglev qui permet de faire plus de glissades. Bon, c'est un petit peu pour le style, mais c'est pas Les attaques forcément. glissées sont aussi assez puissantes, donc non Sur négligeables. certaines armes, oui. Sur certaines armes, ça sera intéressant d'avoir un maglev. Main sur ressort. Bon, c'est un petit peu le mode. On préférera constitution à main sur ressort. Ça, c'est Ouais, double évident. effet, mais pour le coup, par contre, une économie de 4, de 4 points, Oui, c'est ça sûr peut que être la main intéressant. sur ressort, c'est sûr qu'il est un petit peu moins coûteux, mais il faut dire aussi qu'il y a aussi de la durée de pouvoir. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Alors sur Excalibur, bon, on s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire, C'est ça. de la durée de pouvoir, vu qu'il n'y a quasiment rien qui est. Main sur ressort, donc ça c'était ça. Marathon, qui permet d'avoir plus d'endurance maximale. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir plus d'endurance, parce que Bah. l'endurance va être drainée par le sprint, par les coups de cac, Par la parade. par la parade. Et si on fait des courses sur les murs, etc. Donc ça va être un petit peu mis à rude épreuve. Et sur des Warframes qui n'ont pas forcément beaucoup d'endurance, là on est à 100 d'endurance, c'est vrai qu'on va le ressentir assez vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éventuellement rage à la rigueur. Non, rage c'est juste en cas de d'armure assez haute. Dans le cas Réflexion. de Valkyr ou de Rhino, ça peut être intéressant.
On a réflexion qui peut être pas mal. Ça renvoie une certaine partie Ouais, des dégâts réflexion, défense. infligés à Ah oui, non, l'attaquant. réflexion. Ouais, Ouais, je le réflexion. vois là, ouais. Ça permet de. Oui, bah lorsqu'on part, on renvoie les dégâts. Maxé, c'est 96%. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais. Réflexe de défense, qui est pas du tout. Pas mal du tout. C'est 5% de chance de parer automatiquement. Rétribution qui permet aussi d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc moi je l'ai pas encore monté, mais je pense que je vais pas tarder à le monter d'ailleurs. C'est des chances d'infliger des dégâts électriques quand le bouclier est frappé par des ennemis en mêlée. Étant donné qu'on va jouer en mêlée, ça sera d'autant plus intéressant de le mettre. Ensuite, bon, des vitalités, des vigueurs, ça c'est pas mal aussi. Et c'est tout. Ah si, on a Élan Déferlant pour Excalibur, c'est encore un mode de cac. Donc après, moi je pense que pour les augmentations de les modes d'augmentation de pouvoir, faudra choisir. On pourra pas mettre Javelot Furieux et Élan Déferlant. Élan Déferlant, ça permet. Alors ça, je l'ai pas monté, je vais le faire dès maintenant d'ailleurs, histoire que je le vois. Au rang maximal, ce qui donne alors Poc. Bon, c'est vrai qu'on a ici quand même pas mal de mode, hein. Ouais, certains nombres, après il y a les vitalités, somme toute basique. Mais on n'a que 8 slots. Voilà. Bien sûr, bon. Alors, Élan Déferlant, au rang maximal, chaque ennemi touché par l'élan tranchant augmentera le compteur de mêlée de 4. Ce qui nous emmène un petit peu à expliquer un petit peu davantage la mécanique de la mêlée 2.0. Alors, sais-tu ce que c'est que le compteur de mêlée, Gossmore? Et non, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, c'est un compteur d'ennemis touchés en fait. Un C'est compteur le petit d'ennemis compteur en touchés, bas. voilà, et Ouais. qui au bout d'un moment se change en 1,5 fois, 5. puis 2,5 fois, 2, etc. 2,5. Oui, ça, j'ai déjà vu. Mais à quoi 1,5, ça 2, correspond 2,5. concrètement? Concrètement, c'est un compteur en fait. C'est un compteur qui apparaît en bas. Donc au début, on voit un petit 1, un petit 2, furtif, tout ça. C'est un compteur qui est remis à zéro au bout de 4 secondes s'il n'y a rien. D'accord. Et qui monte à chaque ennemi touché. Donc, il monte à 1,5 une fois qu'on a 5 touchés consécutifs. Et il est augmenté de 0,5 après 3 fois plus que ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire, on était à 5 touchés, on est à 1,5. Pour passer à 2, il nous faudra 3 fois plus, donc il nous en faudra 15. 15. Ouais. Pour monter à 2, non, ça c'était à 2. Pour monter à 2,5, il nous faudra 45. 3 fois 15 touchés, donc 45. 135 touchés, on monte à 3 fois. Et 405 touchés, on est à 3,5. Donc, plus on monte et plus ça devient difficile. C'est des dégâts, c'est purement un multiplicateur de dégâts de caca. Et tu prends tes dégâts, tu les multiplies par 2 et voilà. Ah d'accord, ça correspond, je pensais que c'était un... que ça modifiait l'affinité ou autre, mais non, ça augmente la puissance du corps à corps, donc c'est ça. Voilà. Donc après, il y a certainement frames certaines compétences qui. Donc on a vu le mode d'amélioration qui est là, voilà, Élan Déferlant, qui permet d'augmenter le compteur de mêlée. Après, il y a certaines compétences qui l'augmentent. Il y a la tempête de lame, c'est-à-dire l'ulti de hache, contribue en fait à ce nombre-là. Donc c'est pour ça que hache est intéressant dans ce sens-là. Si on est assez rapide, on peut balancer l'ulti et enchaîner, etc. De sorte à ce que ce compteur soit toujours le plus haut possible.
De même que H a un téléport justement pour garder cette dynamique-là. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était intéressant d'avoir des Warframes qui justement avaient une bonne mobilité justement pour garder ce compteur toujours au plus haut en fait. D'accord, ok, c'est noté, donc c'est vrai que c'est intéressant comme information. Donc l'augmenter au maximum, ça multiplie donc les dégâts. Oui, plus tu feras de toucher d'ennemis, plus tu gagneras de plus tu rentreras plus tu rentreras avec des dégâts d'autant plus élevés quoi. Donc, soit on joue Île en Déferlant, soit on joue Javelot Furieux. C'est pas forcément intéressant de les mettre les deux, hein. C'est un petit peu selon son style de jeu, j'ai envie de dire, parce que l'élan déferlant, c'est l'augmentation d'élan tranchant, c'est un petit peu le dash en avant. Donc voilà, donc l'un comme l'autre sont intéressants à prendre. D'accord. Alors, Melee 2.0, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial aussi avec? Il y a la capacité de parer. Donc on avait vu Réflexion, Oui. qui permet donc de parer et de renvoyer. Voilà, il est là. Et renvoyer les dégâts à l'attaquant. Il faut savoir D'accord. que donc ça consomme de l'endurance. Et bien sûr, l'endurance, ça se recharge avec le temps. Lorsqu'on en consomme, bien la barre ne se recharge pas. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu notre survivabilité un petit peu ultime. Lorsqu'on sera pas au contact de l'ennemi, on sera en parade. Et donc, il est nécessaire de ne pas bouffer toute sa stamina trop vite, sous peine de ne pas pouvoir bloquer les attaques. Donc il faut savoir que ça bloque les attaques normales comme certaines attaques spéciales en fait. D'accord. C'est capable de bloquer les ondes de choc des mitrailleurs lourds Gagnia. Intéressant ça, C'est oui, capable de d'accord. faire. Donc tu vois, la parade c'est quelque chose de super important. Le clic droit vous permet d'encaisser cette onde de choc, d'encaisser les roquettes des bombardiers, de contrer les scorpions grenier lorsqu'ils essaient de vous attraper avec leur grappin. Donc voilà, et c'est capable aussi les AOE de feu, des Eximus, tu peux résister à ça aussi. D'accord, si l'endurance, mais prendre un coup, est-ce que ça la consomme un peu plus d'endurance ou non? Ça, je pourrais pas dire. Je D'accord, joue très c'est pas peu. précis, C'est ouais, pas d'accord. forcément précisé aussi. Alors, ça doit être aussi. Ça doit peut-être être dépendant de ton arme de cac en fait. D'accord, ok, ouais. Donc, après, il est possible de faire des attaques de finish. Des finishers. Tu peux le faire aussi en parade. On appelle ça des contre-attaques. Donc ça, il faut avoir le timing pour, on va dire. Tu bloques l'attaque, tu contre-attaques, ça fait une attaque de finisher. Et les attaques de finisher ont des boosts assez hallucinants de dégâts. Ça part de 1200, ça arrive à 2400% des dégâts de l'arme en fait. Ah, intéressant ça. Tout dépend du type d'arme en fait. La plupart des armes qu'on utilisera, je pense, pour le CAC, ça sera à peu près à 1200%. Bon, en général, ça, voilà, ça le tue, quoi. Ah, mais c'est bon à savoir. Donc voilà. Donc, pour faire cette attaque de finish, il faut attaquer la touche de canalisation, chose qu'on va parler juste après. Donc, qui est en général le clic gauche, juste avant qu'un ennemi t'attaque. Donc, ça va t'offrir une chance de contre-attaque. Et donc de faire des dégâts vachement supérieurs quoi.
On n'a peux pas de la clé. répéter la technique parce que j'ai pas suivi parce que moi en fait je fais le aussi le changement en même temps dans ma tête Il faut que tu puisque moi à la pars. base je joue à la manette T'as un ennemi donc devant toi. T'as un ennemi devant toi. d'accord. On va dire que tu joues normalement. Donc on part. Lorsque t'es à distance, tu fais de la parade. Le gars il t'attaque. Bon, normal. Et tu vas activer la canalisation juste avant que l'ennemi va frapper. Et ça va te faire une attaque de contre-attaque en fait. Ça va te faire une D'accord, très contre-attaque. bien. Mais il faut que tu sois en parade. Hein. L'ennemi t'attaque, bon, tu pars, t'arrives au cac, t'actives la canalisation, clic gauche, boum, contre-attaque. D'accord, très bien. Bah, notez-le bien, parce que c'est le genre de truc qu'on ne sait pas forcément. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir appris ça dans le tuto, à la base. Donc, Ah ben là, je vois qu'on passe beaucoup de temps à expliquer, à vrai dire. C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé le build. Mais je pense que ça vaut le coup quand même. ouais, ça vaut le coup d'être expliqué, oui, c'est le genre de petits détails qu'on n'est pas forcément au fait de ce genre de Bah choses. disons qu'en général, on fonctionne avec le arme principale, arme secondaire, on est équipé avec 50 kilos de matériel sur le dos, tout ça, et on pense pas à partir avec juste l'essentiel, tu vois. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de parer. Après la canalisation, on peut très bien faire de la canalisation tout court. La canalisation, c'est bon, après faut vérifier vos touches. Chez moi, c'est le clic gauche qui permet de canaliser l'arme. Ça va permettre en fait, de drainer l'énergie et justement d'avoir un boost de dégâts associé à la canalisation. Donc en général, c'est 50% supplémentaire, plus éventuellement d'autres effets qui sont ajoutés par les modes de canalisation. Ça, c'est encore une autre chose, hein. Les modes de canalisation. Donc, mais il n'y en a pas forcément beaucoup beaucoup des modes de canalisation. J'ai envie de dire, il y a l'essentiel. Ouais, de ce que j'ai pu voir, il y en a certains qui sont relativement rares que j'ai pas encore trouvé, mais après il y en a d'autres qui restent intéressants. Il y a Coup Mortel par exemple, qui est super intéressant en termes de mode, mais on Bon, les enfin. abordera après, j'imagine. Oui, on peut en plus aborder dès maintenant, c'est pas tant un souci que ça. Je vais peut-être me mettre sur la fenêtre des modes d'ailleurs. Ça va peut-être mieux. Poc. Arme de mêlée. Alors, trier par. Non. Voilà. Donc, moi je les ai pas tous, je sais qu'il m'en manque un certain nombre d'ailleurs. Un certain rare qu'il faudrait que je me mette d'ailleurs en chasse. Canalisation. Donc, la canalisation permet donc d'utiliser en général 5 d'énergie. 5 d'énergie, et donc ça fait 50% de plus, donc 150% des dégâts de l'arme au lieu des dégâts normaux. Donc, il y a le mode accélération. Donc, il faut savoir que Je n'ai pas déjà. Bon. voilà, c'est un mode que j'ai en qu'un seul exemplaire pour te dire. Mode accélération, donc vous allez voir en bas du cartouche, c'est marqué canalisation en gros. Donc ça ne sert à rien de la mettre sur l'arme si vous ne souhaitez pas utiliser la canalisation. C'est des modes qui sont pris en compte uniquement en activant la canalisation. L'accélération, ça permet d'avoir de la vitesse d'attaque et de l'efficacité. On perd de l'efficacité de la canalisation. C'est-à-dire que là au rang 0, vous gagnez 5% de vitesse d'attaque et la canalisation vous coûte 20% plus cher. Bon, rien de dramatique parce que 20% de 5 d'énergie, à la rigueur, ça vous monte à 6 d'énergie, quoi. Et encore, je suis pas sûr. Pas Oh oui, sûr que ça ça, augmente ça. vraiment. Je crois que c'est un ou deux maximum. Alors, on a le mode canalisation d'énergie qui ne fait pas de canalisation d'énergie. C'était le piège du jour. On a bobine réflexe qui permet d'avoir de l'efficacité de la canalisation. L'efficacité, c'est le coût donc que ça vous coûtera. Oui, enfin, Exactement. c'est pareil que pour les Warframes, l'efficacité, c'est le coût en termes d'énergie. On a concentration d'énergie qui est un mode qui peut vous donner
40% au maximum d'efficacité de canalisation. On a coup mortel, c'est un mode vraiment de canalisation celui-là. C'est un mode de base, à vrai Voilà. dire, pour la canalisation. Qui vous offre au rang maximal 120% de dégâts supplémentaires lorsque vous canalisez. Ensuite, il va pas falloir que je me plante. Frappe durable. Frappe durable qui n'a que 3 Pas. rangs. Et au rang 0, c'est 15% de chance de statut, 10% de moins d'efficacité. Bon, pourquoi pas. D'accord. Alors ensuite, Pareil. on a paré. Donc des chances de parade. Alors, je me demande pourquoi il y a des chances de parade. À mon avis, il y a Parce certaines attaques que qu'on doit loucher un petit peu, à mon avis. ben, comme tu l'as précisé tout à l'heure, il y a certaines attaques comme l'onde de feu des infestés là, ou d'autres, hein, des eximus. Je pense que ça doit augmenter le pourcentage de chance, et même de manière générale, il y a toujours certains coups qui doivent passer, quoi. Toute parade n'est pas infaillible. On a second souffle qui permet d'avoir de l'endurance par ennemi tué au détriment de l'efficacité de la canalisation. Ça, c'est un mode qui est intéressant. Qui est intéressant. Indispensable même, je dirais, Ça fait beaucoup de. Ouais, pour pour maintenir un petir maintenir petit peu là, t'as ton efficacité, ouais, ton au corps à endurance. corps. Ouais, comme ça, t'as beaucoup plus d'endurance. Enfin, t'en régénères quoi au final. Pour peu que tu les one shot. Alors, véritable punition qui permet d'avoir des Indispensable. chances. Oh, je sais pas, ça dépend de l'arme après. Hein. C'est des chances Oui, de. ça dépend de l'arme. Si on l'équipe avec un berserk, ouais, ça peut que être bonus, quoi. Ouais, C'est que du ça fait de la plus. canalisation avec plein de chances de critique. Pourquoi pas? Étreinte de guerrier. De Je n'ai guerrier pas. qui permet d'avoir 5 plus 5% au rang 0. Ouais, il n'y a que 3 rangs. Hop. Plus 5% de dégâts parés avec l'endurance et moins 20% d'efficacité de la canalisation. J'ai l'impression que c'est un mode quand même qui est cher payé. Vu qu'apparemment les dégâts parés sont bouffe de l'endurance, si je comprends bien. Plus 5% de dégâts parés avec l'endurance. Il faudrait que je regarde exactement la mécanique de ce mode-là parce qu'elle me semble un petit peu obscure, faut le dire. Et re-bienvenue à toi Zoro, j'ai vu que tu revenais. Re-salut à toi. Donc on a le choix des modes, hein. Ça c'est pas du tout ça le problème. En arme de mêlée. Cependant, c'est de la canalisation. Donc, vous pouvez très bien jouer de l'arme de mêlée sans canalisation et réserver votre énergie pour vos compétences, ou sinon faire l'inverse, c'est-à-dire dédier votre énergie principalement à la canalisation, mettre des modes qui augmentent le coût en énergie de votre canalisation et puis faire des dégâts comme ça. Mais en contrepartie, vous aurez pas forcément une réserve d'énergie assez importante pour utiliser des compétences, naturellement. C'est un choix à faire après par rapport au style de jeu et à ce que vous pensez pouvoir produire en termes de dégâts, en termes. Ça dépendra vraiment de votre façon de jouer, de vos choix dans sur la Warframe en fait. L'arme dépendra vraiment encore de la Warframe. Oui, si vous voulez utiliser des compétences. Choisissez-la en dégâts bruts sans mode de canalisation. Si vous voulez vraiment faire pur cac, sans utiliser de compétences, enfin ou très peu de compétences, choisissez la canalisation, ça vous fera d'autant plus de dégâts. Moi, je pense qu'on va faire quelque chose de mixé quand même. On va essayer de faire quelque chose de mixé, c'est-à-dire, hop, ça c'est l'arme de mêlée, donc on va. Ah si, j'ai un mode de canalisation. Ta-ta-ta. Hop. Ça, c'est pas de la canalisation. Pour
2. Attends, j'ai l'F qui s'est déclenché. Non, je pense qu'il va falloir que je revoie Mibil parce que il doit y avoir des erreurs qui sont assez flagrantes dedans. J'ai presque honte d'ailleurs. Donc voilà, donc on va pas trop faire de la canalisation. Cependant, on va un petit peu commencer à faire le build d'escape en même temps. Tu comptes faire un build de toi aussi en parallèle pour le test? Pour Excalibur, non, en tout cas. Oui, je pense pas que tu le feras sur Excalibur, peut-être sur Sarine. Non plus, pas sur Sarine, parce que je déteste Sarine. D'accord. Je vais le faire sur Zephyr Sur pour ma part. Zephyr, oui, pourquoi pas. Donc rappel, un petit rappel d'effet pour ceux qui regardent un petit peu en direct. Donc on construit juste Warframe, plus armes de mêlée. Et on va utiliser notamment les modes de mêlée qui nous sont offerts et on va un petit peu faire l'impasse sur tout ce qui est continuité, flux, etc. Donc, on va commencer classique, je pense. Libérer un emplacement, ben, un des emplacements corps à corps que j'avais fait pour Zephyr. Oui, voilà, moi c'est ma config, c'est comme corps à corps. Donc, on va commencer par une vitalité. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de mettre un petit peu de vita. Alors, on va les classer par masse, par drain. Donc chez moi j'ai une polarité en D, donc ça tombe bien. On va le faire. On va Pas mettre chez moi. ça. Après, on a 65 d'armure, on va pas chercher à faire plus. Est-ce qu'on part sur une redirection? Après, ça dépend toujours de son taux de. J'en ai pas beaucoup forcément avec une redirection. Bon, elle est que à 280%, mais bon. Ouais, c'est vrai que ouais, moi je suis ma redirection elle est à 320, donc c'est vrai qu'après ça reste assez intéressant. Moi personnellement, oui, sur Zephyr, vitalité redirection, parce que je perds de mon côté 50 d'armure comparé à Excalibur. On va mettre vitesse et redirection quand même. Déviation rapide en complément. Et après on s'arrête pour les modes purement warframe. Pour ma part, non. La déviation rapide, enfin, on en avait parlé à l'époque avec Volt, je trouve pas ça forcément intéressant. Tout simplement parce que le taux de régénération augmente en augmentant le taux de bouclier. Il sera toujours à un certain stade. Donc, en gros, qu'on augmente ou pas la capacité de bouclier, la régénération reste la même. Ça reste le même taux de régénération. Si, je veux dire, non, je vais dire des conneries là, mais si en 10 secondes il doit régénérer, peu importe le bouclier total. Oui, bon. En fait, au final, ça permet juste de réduire ce temps de régénération. Juste ce Et temps-là, oui. sous le feu ennemi, la régénération, ben, elle y est pas, quoi. D'accord. Donc ça va être du direct. À mon sens, je Je sais pense pas pas, que ce soit. je me tâte un petit peu, à vrai dire. Bon, on a qu'un l'un test, j'ai testé avec, toi tu testes sans alors. Non, on va tous les deux tester sans. Flamboiement, tiens, c'est un mode de pompe, ça je crois. Je D'ailleurs, sais pas. en ayant éliminé le volume des transmissions, j'ai éliminé la voix de Lotus. Au final, c'était pas vraiment ça que je voulais filtrer. Donc, voilà. Donc, on va compléter ce build-là par. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, je pense, Marathon. Hop, marathon. Un petit marathon pour avoir de l'endurance Oui, marathon. parce que on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Et d'ailleurs, je vais monter mon marathon d'ailleurs. Alors, fusion. On va utiliser d'autres marathons pour monter un marathon. T'as vu ça? Là, moi, c'est déjà fait. Ah, tu l'avais déjà monté? Ah oui, bon, Classe. j'avais prévu le T'avais coup. déjà prévu. Ah, il n'y a que moi qui n'ai pas prévu. Alors, marathon, ça nous monte à 250 l'endurance chez moi. Je sais pas combien tu es toi. Pareil. D'accord. Bon, c'est pas mal. Je pense que on est pas mal du tout. Ensuite,
Ensuite. Bon, je pense que toi, tu as passé sur l'impact lourd. Tout à fait. Je pense que moi aussi. Impact lourd. Je pense que moi aussi, parce que au final, avec mon super saut, je pense qu'il y a moyen de faire des petites vagues. Bon, chez moi, je pense que ouais. Alors, élan déferlant ou javelot furieux? Là est la question. Je prends javelot furieux quand même. Et ça, on ne le répétera jamais assez, mais c'est vraiment une question de style de jeu, de choix de. Ah oui, complètement là. Parce que c'est vrai C'est un que. choix purement personnel, c'est pas dans une optique d'optimisation, c'est vraiment par préférence. C'est vraiment par préférence. J'ai eu de la pub en connectant ce. Oui, c'est la pub. Salut Ersigal, en passant. Ouais, salut. Il y a toujours de la pub au lancement du stream. Hein. C'est quelque chose qui est récurrent, malheureusement. C'est Twitch qui nous prend. Qui nous prend un petit peu. Donc. Ah, ça c'est habituellement quelqu'un qui doit utiliser Adblock ou quelque chose de Et ce genre. Moi la pub. on a Lassive, 1, 2, 3. Bienvenue à toi. Donc, on va faire un petit récap. Build CAC. Nous n'avons que notre warframe et notre âme de CAC. Et on a notre skill aussi. Et voilà. Donc. On va pas forcément s'attarder beaucoup sur les boosts de pouvoir. Hein. Enfin, je pense que toi, autant toi que moi, que on va pas Moi, j'en ai forcément pas pour utiliser Zephyr, donc quoi. Je vais rester avec mes 150 d'énergie et ça suffira. je pense que pour ma part, pour Zephyr, vu qu'il est basé majoritairement sur son déplacement Un via petit ses flux? sorts, je vais être obligé de mon côté, par contre, d'augmenter un flux soit qui n'est pas complètement maxé. Ça peut être intéressant essayer de monter donc l'énergie globale à 200 plutôt que 150. Sachant que si je mets pas de rationalisation, les sorts ils vont me coûter la blinde quoi. Comme enfin, ils vont me coûter le prix normal, donc ça peut être gênant que si ça chauffe trop, j'ai besoin de faire la bombe plongeante et donc avant un sort en conséquence. Le premier ou pas, hein, ça dépendra. Le premier aussi, il va me falloir l'augmenter un tout petit peu en termes de durée. Pour augmenter bah, la distance parcourue. Bah dans ce Ouais, cas-là, c'est. peut-être partir sur la Ouais, justement, partir sur la sur... constitution. c'est ça. Ben, voilà, justement, là où je voulais en venir, c'est mettre une constitution Bah écoute, moi pour le je petit bonus et l'avantage en récupération. moi j'ai mon slot avec javelot furieux, donc oui, toi d'un côté tu es. Ça fait un petit peu augmentation de. Eh ben désolé Ersigal, ouais. En tout cas, le replay sera toujours sur la chaîne YouTube, donc ça sera au plaisir de te voir commenter la vidéo sur YouTube. Ouais, y a pas de souci. Donc, continuons. Donc, ouais, de toute façon, moi j'ai mon augmentation javelot furieux, toi tu peux très bien mettre constitution. Il nous reste 3 slots et je me tâte sur réflexion, sur réflexe de défense notamment. Réflexe de défense. Il me Il est semble qu'il y avait cher, un hein. petit défaut, pardon. Ouais. Un petit défaut, c'est que ça s'enclenchait bah, automatiquement, Logique. donc coupant aussi pendant le cast d'un sort et Oh. Bah en même temps, on a des sorts qui sont assez instants au final. Donc c'est pas mal. ouais, oh, oui, c'est vrai, bah, oui, ça peut On a être. très peu qui sont cassés. Bon, moi j'ai l'ulti qui se caste, mais. Bon, ou sinon on part sur une réflexion de base, je pense. Ça peut faire du dégât quand même. Hein. La réflexion, oui, par contre, ça, la réflexion, je reste. Ça reste très intéressant. Alors moi je vais le monter parce que je l'ai bien sûr pas fait. Je préciserai pas que moi, c'est déjà fait. Ouais, je crois que t'as déjà tout fait. Réflexion, réflexion, voilà. C'est bien, je fusionne avec lui-même, c'est bien. Ça bouffe pas de corps de fusion, c'est génial. Alors,
Il reste deux slots. J'ai un slot en V, une polarité en V, je ne sais pas quoi mettre dessus. Pareil de mon Et j'ai côté. l'honneur de te dire que je vais me faire avoir parce que je vais rien pouvoir mettre. À part mettre un intensifié, à la rigueur. Un intensifié, puisque tu vas utiliser aussi tes sorts, ça peut être intéressant. En gardant justement au moins deux slots pour les sorts qu'on peut Ça utiliser, me fera un ça. malus trop important de mettre un autre mode et j'ai peur de ne plus avoir assez de points après. Il me Quand reste qu'un moi, seul slot chez moi, quand est-ce je que chez toi regarde, aussi? oui, un seul slot, et quand je regarde, il me reste 17 points, donc au pire des cas, l'occuper par autre chose, ce serait pas un mal de mon côté. Je sais Sachant que pas. j'ai dû mettre rajeunissement, si je mets charge d'acier, par contre, je tombe à 16 points. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Le réflexe de défense me tend un petit peu les bras. Mais est-ce qu'il y aurait un autre mode d'intéressant? Repos rapide? Eh bien, moi, je pense que Oh! ça. Le repos rapide. Oh, le repos rapide, oh oui. Parce que de base, sans. Enfin, rend. J'ai envie de dire en anglais, je voulais dire en français. Non classé, ouais, Augmenté à fond, il est à 180% de Ouais, rechargement d'énergie. c'est pas mal, d'endurance. J'ai prévu ça. Bon allez, je vais investir sur ça, moi, personnellement. Hop, rapide. Fusion, hop. Allez, je vais te suivre là-dessus. Je sais pas, Comme ça. ça nous fait un gros pool de d'endurance. Hop là. Fusion. Si j'arrive à le retrouver, tout du moins. Bon, Déjà, si je l'ai classé par nom, ça serait bien. Voilà, il est là. en termes de conclave, on est un petit peu rallié pâquerette. Ouais, 200 pour ma part. 189 chez moi. C'est un Après, petit. j'arrondis ça quoi, au supérieur, mais C'est 192, voilà, à 3 points près, on. un petit peu le prix de. Bon, après, impact lourd, c'est vrai qu'au final, ouais, on a assez pour faire quelque chose de purement gag, quoi, au final. On a Donc je me vraiment. déséquilibre. On a l'endurance, on a le rechargement, on a la parade, on a l'augmentation des dégâts de mêlée, ouais, on a tout, quoi. Bon, après, on n'aura que 12 secondes, mais bon. Après, c'est le contre-coup, c'est pas d'augmentation particulière à part l'intensifier. Donc voilà. Et on va partir tester tout ça. Par contre, moi, j'ai pas encore choisi en fait l'arme de corps à corps, malheureusement. Ah. C'est la grande question que je me pose en fait depuis tout à l'heure. Laquelle pourrait être Alors, intéressante? il nous reste quelques minutes, ouais, à peine, parce que c'est vrai que le temps file Bon, particulièrement allez, vite. Sylvain Aegis, parce qu'il y a un bouclier et j'aime bien. Au choix, une arme qui te plaît. Voilà, c'est. Moi, j'ai Dragon Nikana parce que ça peut être sympa. Oui, non, c'est surtout parce que c'est l'arme que tu préfères. Ouais, bah oui. Faut pas prendre une arme qui te plaît pas parce que c'est vraiment. Tu vas vraiment faire que ça. Ah, mais c'est aussi une question esthétique, hein. Moi, il y a toujours la question esthétique qui prime. Ah bah côté esthétique, là, un accessoire. Pouc. Voilà. Le Sugatra Pira là. Ah oui, j'avais oublié. Ouais. Bah, je vais prendre. Non, je vais prendre le l'Atérax. De retourner aux bonnes vieilles valeurs, quoi. Donc voilà. Alors, ouais, bah après l'arme de mêlée, c'est un petit peu schéma de catalyseur Rokin. Bon, on va faire notre. Ah ouais, mais si on. Ah, c'est une capture. Il nous reste 12 minutes dessus. Alors attends, je vais refaire le groupe Ghostmore. Très bien. Je vais faire matchmaking ami uniquement et Ghostmore. Voilà. Parce que j'ai peur de. Enfin, c'est une alerte qu'il faut faire. Ah bon, elle est déjà faite, hein, donc. Ah d'accord. Bon. Oui, Ça va pendant aller. que tu faisais les préparations, moi. Pendant que toi tu faisais tout le boulot, moi. Ah, moi en attendant. J'ai été mauvaise langue parce que je disais que
que les schémas de catalyseur c'était tellement rare que qu'on n'en trouvait plus en alerte normale et j'ai Non, eu mais faux. il y a des moments où ça proque certaines alertes, une fois par mois au moins. Tout du moins, je me Bah là souviens ça en fait que. déjà deux là. Deux. Ah, je sais pas, Ah ouais. j'ai repris il y a pas longtemps donc. Ah ouais, c'est le deuxième qui passe, c'est vrai. Il tient le dragon Nikana avec avec l'étui. Bon, on est à poil. Ouais, ça fait bizarre. Merde, c'était en haut. Ce fail. Et moi, je t'ai suivi. Eh ben oui. J'ai même pas le temps de voir les dégâts. J'ai beaucoup de stamina, c'est bien. Ouais, bah, pour l'instant, j'ai fait que des coups critiques, donc je peux pas trop dire ce que ça a donné. Oh, 2500, magnifique. 3100. Oh. Par contre là. Ah, par contre là. Ah. Oh, il est parti. Hein. Ouais, non, mais. Il partira pas bien loin. Waouh! Picote un petit peu. Hop là, on esquive. Aïe, j'ai mal. Oh, 3%. Ah ben ouais, Pourquoi il y tu a mets un pas petit bug avec mon accessoire. un bon? Ouais, elle rentre dans l'arme des fois. Ah, c'est pas mal. Mais ça, j'ai vu qu'ils y bossaient en fait dessus de faire une autre dynamique pour tout ce qui est vêtements, tout ça. Je sais que bah D'accord. ils l'ont essayé avec Limbo un peu. Je viens de faire une glissade d'impact lourd. Oui, ça m'est déjà arrivé, mais sur un malentendu. Oh, d'accord, c'était le saignement. T'as le monsieur qui va essayer de t'enlever ton arme principale ou secondaire. Attention. Ouais, bah, c'est dommage pour lui. Je l'avais même pas vu, sans mentir. À la Terrax, ça reste, à mon sens, la meilleure arme de corps à corps. Bon, finalement, j'ai trop d'endurance. Et c'est pas par là, d'ailleurs. Enfin, je suis tout le temps à fond, je sais pas toi. Oh oui. Bah après on n'a pas encore rencontré. Les ennemis sont pas très très puissants. On n'a pas rencontré une grosse masse d'ennemis. Donc J'ai ça. l'impression qu'il faut un petit peu temporiser. Après, maintenant que j'y réfléchis, la réflexion c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour Zephyr. Avec le bouclier Réflexion. devant. Ah oui. Ah, Ouais, effectivement. c'est vrai que j'y ai pas réfléchi sur le coup, mais. Ah, oh, je lâche. Ah, il est mort déjà? Ah oui, je suis tombé dessus, Histoire trois de critiques. douleur. Ah bon? T'as mal? T'as mal? Où ça? Au ventre? Ok, t'emmènes. Horrible. On t'emmène. Mais ça fait vraiment bizarre de voir nos personnages tout nus comme ça.
Ah, et pour ceux qui collectionnent un peu les succès, sachez qu'il y a un succès justement à sortir qu'avec l'arme de mêlée. Ah ben on va le faire. Je l'ai jamais fait Je crois encore. que c'est 5, 5-6 parties de Oh. suite. Bon, il va falloir en faire plus. Malheureusement, il n'y a pas assez d'ennemis pour essayer réellement le cac, quoi. Ici, Là, bon, ils sont assez timides en fait. Ils sont assez faibles aussi. bah, faut dire que moi, ils m'ont fait mal un petit peu. Coupé. Non, pas encore. Oh, j'ai chien. Il est où? Il est là-bas. Non, après, c'est vrai que là, malheureusement, on n'a pas pu vous montrer concrètement ce que ça pouvait donner. Ça allait très très rapidement. Bon, moi j'ai eu le temps de faire voir un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu temporiser parce que si tu fais que taper, tu peux pas parer en fait. Faut prendre l'ennemi un par un quoi en fait. Bon, après, ça dépend de l'arme, hein. Je sais que bah, avec la Terrax, multi-cible, je fais du dégât de zone donc. De l'attaque de zone. Ah oui. 80% des dégâts subis. J'ai un petit peu pris. T'es un peu exposé. Un petit peu exposé. Puis mode flambement, bah ça je l'ai déjà, hein, je crois. Blaze. Fameux Aucune dégâts. idée. Donc Mode j'arrive même pas. Hein. profil de mémoire, c'est le mode de fusil à pompe qui fait dégâts et dégâts de feu. Donc voilà. Moi, ça me dit vraiment rien, donc. Ça te dit vraiment rien de jouer comme ça? Hein? Pardon, j'ai pas Ça te dit compris ce vraiment que. rien de quoi? Le flamboiement. Ah, le flambeau, d'accord. Je vais essayer de trouver. En même temps. Donc, je sais pas si tu veux qu'on essaye d'en refaire une pour Dans le montrer un peu mieux primaire, ou. ben je sais pas s'il est beaucoup plus difficile l'autre. Ah non, non, je parlais pas forcément Oh, c'est de de. la survie. Oh, c'est niveau 7 et 10 quoi. Ouais, c'est pas très Comme intéressant. tu veux. Mais après, il y a de l'ennemi, c'est peut-être plus rigolo en montrant quand il y a un peu plus d'ennemis, Oh, mais c'est de la s'ils sont survie, c'est faibles. forcément 10 minutes quoi. C'est ça? Ouais, c'est long, c'est le problème. C'est ça. Donc voilà. Bon, bah, je pense qu'on va. On va stopper sur ça. Donc, vous l'aurez compris, il y a des possibilités pour le corps à corps dans Warframe. Mais certaines Warframes sont préférables à d'autres, d'autres sont à exclure, hein, ni plus ni moins, parce que de par leurs compétences, de par leurs capacités, c'est pas intéressant du tout. Et je regarde, non, je ne crois pas avoir Et flambement. c'est vrai qu'Excalibur a vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de compétences qui sont faites pour jouer dans ce style-là, quoi. Et d'un côté, tant mieux, vu que je pense qu'il y a beaucoup d'Excalibur qui sont sur Warframe. Ouais, c'est vrai, bah de toute façon c'est une Warframe qu'on pouvait avoir Dès le de départ, base. c'est celle qui, je pense, est recommandée le plus souvent, quoi. C'est vrai que j'ai regretté d'avoir commencé avec Mag. J'ai pas trouvé ça super intéressant, surtout que j'étais souvent au corps à corps à l'époque, donc. Bon, maintenant j'ai changé de style de jeu en découvrant d'autres possibilités, mais il n'y a plus que Zephyr avec qui je fais énormément de corps à corps, mais sinon de manière générale. Je me suis mis en rôle de soutien, si vous en souvenez pas. Trinity, pour ma part, enfin, je m'occupais souvent de le poste de Trinity. Devenu un peu fébrile face à l'adversaire. Donc après, c'est vraiment un style de jeu assez unique, assez que malheureusement on peut pas pratiquer comme ça avec n'importe qui. Parce que ça demande si les personnes avec qui vous jouez utilisent des armes principales, leurs armes principales et secondaires, malheureusement, vous aurez assez peu d'occasions de corps à corps, quoi.
Enfin, Oui, dans des ça parties sera un comme petit ça, peu quoi. plus gâché quoi. C'est vous allez foncer sur un ennemi, il va se prendre une balle et puis voilà. 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 Par contre, c'est toujours un moyen de s'amuser entre potes, avec des gens, Oui. de se mettre un peu du défi, quoi. Ni plus ni moins. Puis bon, c'est un build, je pense que c'est un petit peu perfectionné. Je pense que chez moi l'impact lourd est un petit peu trop. Comme chez moi avec la réflexion. Mais voilà, on vous a offert une idée globale de la chose. Comme d'habitude, nos builds ne sont pas parfaits, ils sont loin de l'être. Il y a toujours, enfin, loin de l'être. Il y a toujours des choses qu'on peut Qu'on peut ajuster quoi. améliorer, qu'on peut Voilà. revoir. On ajuste Ça le après. build selon ce qu'on n'utilise pas. Idem pour Javelot Furieux, au final ça n'a pas été une grande utilisation et je pense que l'autre augmentation est Enfin, mieux quoi. après ça dépend comme on me disait, c'est vraiment parce que là la partie qu'on a fait c'était du faible niveau, donc ne pas exclure, peut-être que ça avait l'air idyllique, mais peut-être qu'à plus haut niveau, si vous recherchez vraiment du défi, il faudra vraiment calculer par rapport à il faudra essayer, ni plus ni moins, il faut Faut essayer essayer. contre plusieurs styles d'ennemis. Là, c'était du grenir, à avoir contre du corpus, de l'infester, ça donnera toujours des résultats toujours différents. Voyez et faites comme vous le sentez. Nous, on vous offre une idée, une façon de jouer, mais après, n'oubliez pas que Warframe, c'est pas simplement copier le build des autres, c'est aussi trouver son build à soi. Ouais, on vous offre l'ouverture de jouer comme dans ce style-là. Après, à chacun de trouver son bonheur dans les modes qu'il va mettre dessus, quoi. Et voilà, ouais, je pense que c'était une Bonne bonne conclusion. phrase pour conclure. Et bien, Sur sur ces ce, mots. ben en tout cas, pour ceux qui étaient là, vous retrouverez cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à commenter. En tout cas, on lit les commentaires. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou soit sur le prochain live, soit directement sur la vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée Gosmore. Et bonne soirée tout le monde. À ciao.